Okay, Fabian, we're running out of time. I just want to ask one more thing, and that's in 3 weeks you will be SDF in a way, in trois semaines. How, and as you know, someone who heroin is a big part of your life, I know that how you feel about it. You've told us that you know you hate it and you want to get off it, and you've got plans for that, which I think are amazing. And the fact that you've done research into how you're going to do this, I think is incredible. Ça va? But, pas tout. Donc il dit que bon alors dans 3 semaines je serai à la voilà, rue et que t'es dans les rooms et que tu t'as des projets pour t'en sortir et que t'as étudié la question tu vois et que il trouve ça incroyable et moi aussi et que on respecte ça. Voilà. Yeah. And just as a final word, can you describe first of all what your feeling is towards when this happens in 3 weeks' time? And then, also, if there's anything else that you want to say, that you feel that you want the world to know, that you, okay. If you had one thing that you could tell, a message, you know, something like that, I would love to hear. Il a dit quoi? Vous tu dis déjà si tu peux dire 2-3 mots sur ton sentiment par rapport à ce que tu t'apprêtes à vivre. Et s'il y a aussi des choses que toi t'as envie de dire, genre sur n'importe quel sujet, si t'as envie de dire quelque chose tu peux me dire le début. Le début c'est tes sentiments, tes impressions par rapport à ce que tu vas devoir affronter dans quelques temps. Et après, n'importe quelque chose que t'as envie de dire. Okay. Si t'as envie your feeling about becoming SF, and then also any message, anything at all. Alors, comment je perçois la chose là dans 3 semaines? Dans 3 semaines, je serai tout seul, comme je disais tout à l'heure, je serai seul, ce serait complètement différent. Je m'inquiéterai pas, puisque je suis. Déjà, je suis un gars, déjà, je suis un mec. Puis j'ai une vie qui fait que j'ai l'habitude. De débrouiller. J'ai l'habitude de me démerder et surtout de mener une vie assez rude. Et donc, tout seul, je m'inquiéterai pas, je prendrai ça assez sereinement. Puisque moi, dans ma tête, tout est carré. Quand je fais quelque chose, quand je prévois quelque chose, je calcule tout à l'avance et ça se passe. Et ça se passe très bien comme je le veux. He's saying that if he were alone, it would be very different because he knows how to keep on living in a good way, like having a good life, even if it's in bad conditions, he can go. Après maintenant tout est différent. Ce qui est différent c'est que je suis avec quelqu'un, je suis avec Mathilde et que dans un couple on peut pas comment dire l'autre ne va jamais dans le même on peut pas 100% à 100 comment dire à chaque fois faire en sorte que l'autre te suive dans la même direction que toi, dans la même optique, pour faire les choses. Par exemple, si toi tu as une façon de faire, l'autre a sa façon à lui, et pour faire accepter à l'autre personne de faire à ta façon, c'est compliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis avec Mathilde, j'ai vu que ça marcherait pas, je peux pas lui imposer mon optique en lui disant fais comme moi, va dans cette direction là, sinon il arrivera ci, sinon il arrivera ça. Donc ça, aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que tu peux pas forcer quelqu'un à faire les choses comme toi tu les fais, comme toi tu as appris à les faire, même si c'est la meilleure façon. Ouais, parce que vous êtes deux personnes et vous devez tous les deux avoir votre liberté et rester intègre, quoi. Voilà, donc le fait d'approcher les problèmes, on a une façon différente d'approcher les problèmes, et donc... le fait d'être 3 semaines dans la rue là, à deux, personnellement je m'inquiète un peu parce que, comme je viens de le dire, moi j'approche les problèmes d'une certaine façon et Mathilde d'une autre façon. Donc et, tu crois que ça va pas marcher entre nous? Même si. Même si moi c'est. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu veux pas sortir, sérieux? C'est dingue quoi. So it's different because he's with Mathilde, and so he really want to
that both of them keep on being like some free persons, and being and so they have to be according to live together and to be able to go on with this situation and all the consequences. So je me souviens plus. Okay. Tu disais quoi? Que ouais. So because they respect each other and they want to stay some who they are. Okay. Great. Very quick, because my battery is gonna die. Okay. Unfortunately. So if it does run out, I want to say thank you. For it's been such a pleasure to meet you, and I think you're amazing, and both of you, you know. And I want to stay in touch with you. So very, very quick. Quick message. Message, okay, yeah. Quick message. And me, I am and you, sad. Of course, and me, I'm sad because my husband thinks me, I'm not capable to be a deaf. No. You'll show him wrong, though. Hey. Alors, mon message, mon message pour tous ceux qui pourront voir cette vidéo, que ce soit des SDF ou... enfin, j'aime pas ce mot-là, des gens dans la rue, que des gens dans les bureaux, que des ouvriers, que de toute couche sociale qui pourra voir cette vidéo, faut arrêter de voir les gens qui sont dehors comme des rejetés de la société. Et pareil pour ceux qui sont dehors, faut arrêter que tous ceux qui sont dehors